dimanche prochain. Quel est le pays qui n'utilise pas la RATP? C'est quiz time. Dernier mot, JP. Cette question-là, si tu l'échoues, mon gars, tu dois plus faire partie de la RATP. Cette question-là, tu vois, par exemple, on nous l'a posée à l'examen final. En exclusivité sur Transport Île-de-France Magazine. C'est là, je dis, c'est donc ça la belle vie. Genre, je suis rentré chez moi, je dis, donc c'est donc ça la belle vie. Travailler à Paname, oui, je dis, en fait, ils sont pas comme nous. Hein. Juste quand j'avais fait les 95, je dis, déjà, on fait pas le même pas. C'est-à-dire que Paris, t'as pas trop le stress de déjà, regarder. Ils ne pas se casser la tête parce qu'ils savent que. Vas-y, tu prends du temps, c'est pas grave, c'est dans la prochaine, je prends le métro. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est alors qu'ici, il n'y a que toi. Tu passes dans la cité, tu roules tout le monde, ils sont pas compris ça. Tu n'entends pas de « Bonne journée, monsieur, bon courage ». C'est-à-dire que les gens, ils sont t'as mal fait tout. T'as mal fait tout. Non, tu l'as bien fait, mais pas pour eux. Pas pour eux, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, j'ai même pas eu le temps de me rendre compte de ma dinguerie. Les gens, non, je suis en train de m'arrêter, les gens, ils ont même pas eu le temps de créer la porte. Il y a un mec, il est venu, il met une patate dans le plexiglas. Pourquoi? Moi, je dis, franchement, la dame, je pense qu'elle me prenait pour un rebelle. Ah ouais? Je pense. En bas, moi, je lui ai dit, madame, moi, je suis à Saint-Denis, hein, il y a des trucs que vous dites là, mais ça ne va jamais se passer comme ça. Ça, vous dites ça parce que vous êtes là, derrière nous, vous êtes derrière votre bureau et tout. Bureau, là, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Il me dit, ouais. Et moi, je te prends. Tchao. Les supérieurs, ils vont pas être contents de ce que je veux dire. Ah ouais? Moi, je te prends n'importe où. Moi j'ai connu la galère. Moi je te prends n'importe où. J'avais une déviation 361. Je m'arrête à l'arrêt avant de commencer la déviation. Je dis à tout le monde, ouais, prochain arrêt sera tel arrêt et tout. Voilà. J'y répète, oui mesdames et messieurs, une déviation, prochain arrêt c'est tel arrêt. Les gens ils ont le sourire en coin. Ah non. Ça c'était le truc qu'il fallait pas faire. Moi je suis grave rancunier. Il m'a garé. Ouais, il est garé. Ah ouais, il a été bien eu. Hein. Ah ouais, non. Oh, il est soufflé, en vrai, il est soufflé le ski. Mauvais. Ça lui coûtait rien. Ça lui coûtait rien. Bonjour, vous avez fait votre sport de la journée. Il est méchant, oui. Il est méchant le chauffeur. Hein. Il est méchant, mais ouais. C'est pas grave. Ça lui vaut beau le gel. Il a lui dit, vous êtes marié. En mode, regardez-moi, est-ce qu'on est marié. On dit non, on est des collègues et tout, rien à voir, ça me fait en tenue et tout. Je suis chelou. Pas de ça. Et commence à l'insulter, gratuit, ouais. Parce que vous, les dames claires, vous aimez trop voler les hommes noirs. Après, je suis merci, mis, ça fait... Derrière, beau gosse. Ouais, elle a invité une note de soleil direct. Non, c'est toi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Arrête. Non, je suis jaloux là. Tu n'es pas dans les heures de pointe là. Bonjour. Moi,
plus habitué à la charge. Ah, par contre, je vais plutôt au lit là. Ah ouais? Ah, lit là, ça charge. Regarde, les trucs comme 115, tous ces lits là. 129, 121. Ça charge. 122. 122, ouais, c'est des. Ah là, vous avez du bon matos là-bas, non? C'est des quoi? Des Iveco là? Ouais, Iveco. C'est bien ça? Moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que t'as jamais conduit ça. Vous savez, moi j'ai conduit quoi? J'ai conduit ça. Ouais. Des hybrides. Des manines de hybrides là. Ah, les nouveaux manines hybrides? Ah, les. Non, les anciens là, ouais, comme ça, ouais. Mais on dit. Voilà, c'est comme bien, ceux qu'il y a sur 60, ouais. Ça la pêche, hein. Arrête, j'ai fait une course. Ouais. Ça la pêche. Ça la pêche et tout. Tu sais, quand je les vois sur le. Le N44 là, je me mets à côté. Hein. Ah, ça tartine. Ah, mais ça va trop vite. Ça va trop vite sur ces. Vraiment, tu roses en électrique. Ouais, man, j'ai jamais apprécié. Man. Après, t'as le confort par contre, ça que j'aime bien. Ça, ouais, man, c'est. Au niveau confort, ils sont bien, mais après, le niveau. Tu sais, ça balaye mal, c'est pas très. Ça, le braquage, ça dépend. Le braquage, ouais, et puis ça balance beaucoup aussi. J'ai conduit cité 10. Tu dis que ça t'aime pas, toi. La pédale. La pédale, t'aimes ouais. En fait, chaque bus, tu vois, il faut s'adapter, en fait. Ouais, la pédale, j'aime pas trop. La pédale, elle est trop... Voilà, attends, tu t'es mangé un zéro, là. Toi, tu crois que je m'oublie ça ou quoi? Ouais. Moi, je m'oublie pas les 1-0. Ce collègue-là, il est comme ça. Combien 1-0, là, ça? Ce sera le seul, hein. J'espère. Tu penses? Ah ouais, j'espère. Tu vas battre des records là, parce que là, je sais pas. Le collègue des Bidas, là, il est trop loin devant moi. Hein. Il y a juste la vidéo là, remplacement erreur. Ah là, t'as pas oublié. Sur la même ligue là. Ah, il est 4 ans. Jamais je ferais battre ça, c'est impossible. Lui, il est imbattable. Ah, lui, il est imbattable. Jusqu'à il a klaxonné et tout. Ah ouais, là, ça l'a... il a senti que ça l'a énervé. Hein. Ah ouais, non, là, c'était de trop. Même moi, derrière mon écran, je dis ah ouais. C'est des gamins. Je faisais signe pour lui carrément. Mais ouais, non, du coup, ouais, après je compte cité 10. Ouais, cité 10, ouais. Cité 10, ce qui est bien, c'est que le rang de braquage, ça a l'infini. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est ça. C'est un 360. Sur Marie-Claire, quand tu conduis les autres bus, t'as l'impression qu'ils sont très légers. Parce que les autres sont lourds, mine de rien. Cité 10, ouais. Et après, j'ai conduit là, le Blue Bus. Blue Bus, ouais. T'as mis un Blue Bus? Ouais, c'est pas. Je suis mitigé, j'ai fait un tour. Hein. Toi, t'avais quel? Parce qu'il y a des coquilles. Les deux, phase 2. Ah, ouais, 06, je pense. Ça, c'est un 0680. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un 3 portes, c'est les deux portes. Non, c'est un 3 portes. Ah, c'est un 3 portes. Ouais, les 3 portes, ils sont bien. Hein. Ouais, mais arrête, t'as eu. C'est un sort d'un man. Ouais. Tu vois, c'est. C'est pas pareil. Tu vois, quand t'as appuyé sur la porte, tu vas rester à et tout. Bah, je crois que la porte, toujours là, elle bug. Hein. Ouais, ils ont maillé, il y a toujours des défauts. Hein, mais par contre, niveau conduite, j'aime bien. Ouais, ça va, la pêche et tout. Ouais, ça va, moi, franchement, j'ai kiffé. Hein. Ouais. Après, tu vois, j'avais fait ça le matin. Ouais. L'après-midi, j'avais mon service. Ouais, je vois ce que tu dis. C'est là, je dis, c'est donc ça la belle vie. Genre, je suis rentré chez moi, je dis, donc, c'est donc ça la belle vie. Travailler à Panama. Oui, bah oui, je dis, en fait, ils sont pas comme nous. Hein. Tu vois, juste quand j'avais fait les 95, je dis, déjà, on fait pas le même pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire, on fait pas le même pas, dans quel sens c'est dans... La conduite, c'est pas la même. C'est-à-dire que t'es pas stressé? Je veux pas faire l'ancien et tout, hein. Ouais. Ça va dire, je suis l'ancien, tout ça. T'es un ancien pour beaucoup. Mais non, je suis un nouveau, moi. Apparemment, t'es un ancien pour beaucoup. Ouais, pour beaucoup. Ouais, c'est un ancien, lui. Mais ouais, carrément, quand ça me voit, ça me dit, ça fait combien d'années t'es là? Mais voilà, tu leur dis 10 ans. Moi, je leur dis, apparemment, moi, mais ça fait même pas, je suis même pas commissionné. J'ai même pas eu ma deuxième visite, les gars. Moi, je suis tout neuf, quoi. Je suis blister encore, les gars. Non, mais. Ouais, genre, vous avez pas la même. La conduite, c'est pas la même. Tu vois, tu roules doucement, les gens. Les jeunes, ils stressent pas et tout, t'as vu. Ouais, t'es pas stressé. Non, là. Et n'importe quoi, ils vont dire que t'es stressé parce qu'il y a les vélos, il y a tout ça, il faut regarder. Mais... Ça fait partie du jeu, t'as vu. Mais t'as vu, nous. On va faire la 2-6-8, tu roules doucement, là. Ouais. Tu tiens pas un service, hein. Toi, tu te mets en V1, tu roules à 30 sur la 12-8. Mais il y a au moins 3-4 personnes, ils vont venir et t'agresser. Hein. Sinon, ils vont rien dire et tu vas te limiter. Ah ouais, parce qu'ils roulent doucement, ils font exprès. Ils font exprès, ouais, ça.
Ouais, je vois ce que tu veux dire ici en banlieue. C'est vrai qu'en banlieue, tu charbonnes plus que Paris. Hein. Ça, les gens, ils oublient ça. C'est-à-dire que Paris, t'as pas trop le stress de regarder. Faut pas se casser la tête parce qu'ils savent que vas-y, tu prends du temps, c'est pas grave, c'est dans la prochaine, je prends le métro. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est alors que. Ici, il n'y a que toi. Tu passes dans la cité, tu roules beaucoup, mon gars, comprends. Ah, tu fais le premier sortant là. Si t'arrives pas un peu en avance là. Parce qu'en fait, normalement, moi je fais le premier sortant de 6-8. Je crois que t'arrives à 5h13. Ouais. Et ça veut dire que. Tu vois, moi j'arrive en avance. J'arrive aux alentours de 5h. 5h07, 5h08. Ouais. Même des fois 5h05. Et quand j'arrive, je vois sur le panneau, le train il est dans 3 minutes. Ah ouais. Si j'arrive à l'heure, mais déjà il me tue. Ouais, bah ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est même pas coordonné non, avec. Non, c'est pas coordonné. Ça, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si parce que, j'arrive à l'heure. En plus, ces gens-là, c'est les gens de. C'est les travailleurs c'est du matin. Du matin, ils ont pas le temps. Ça veut dire que c'est des gens vraiment eux là. Ouais. Tu vois, c'est. Tu vois, ils ouais, je vois ce sont que à la dire. Minute. Ça veut dire, ouais, en retard et trop, t'es mort. Tu te fais insulter, non? Mais bien sûr. Ah, les gens, ils vont te le faire comprendre. Oh, là. Tu vois, ils vont. Tu vois, quand tu fais ça, t'entends pas de. Bonne journée monsieur, bon courage. C'est-à-dire que ouais, ils sont t'as mal fait tout. T'as mal fait tout. Non, tu l'as bien fait. Mais pas pour eux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, tu vois. Ce qu'il me dit, l'autre collègue de Saint-Denis, il me dit pareil. Il me dit ouais, moi des fois, j'arrive en avance, là, les gars, ils sont bonne journée. Comme t'as dit là. Oui, ils sont grave heureux. Mais je lui dis, ouais, mais toi tu fais ça, mais pour la RATP, c'est pas bon. C'est à eux de se coordonner avec les SNCF pour mettre les. Et si tu fais pas ça, bah t'as encore là ce qui se passe, t'as des insultes, tu peux même te faire agresser, tu vois. C'est ça qui va pas être. Ça m'est déjà arrivé, je peux me faire agresser. Ah ouais, bon, par rapport à ça. Le chinien. Dis-toi, l'arrêt, il est là. Ouais. Je me suis arrêté, on va dire, à la Zoé là. Ouais. Parce que j'avais. Tu vois, c'est un arrêt noctilien, il n'y a personne qui monte, personne qui descend. Ouais. C'est-à-dire, et là, je faisais le dernier sortant et il y a du monde, t'as vu, c'était le dernier RERD. Ouais. Et je m'attendais pas à ce qu'il y a des gens qui descendent. Ouais. J'ai même pas eu le temps de me rendre compte de ma dinguerie. Les gens, non, j'étais en train de m'arrêter. Les gens, ils ont même pas eu le temps de créer la porte. Il y a un mec, il est venu, il met une patate dans le plexiglas. Pourquoi? Parce que je me suis pas arrêté là. Ah ouais. Tu vois, c'est-à-dire, j'étais là et tout. Et genre, il y avait mon pote là, que tu connais là. Ouais. Et genre, même lui, il s'est dit, ah ouais, le chinois, c'est gore et tout. Genre, j'ai même pas eu le temps de mettre le FA et tout. Tu vois, moi, il me met une patate. Direct, j'allais. En plus, heureusement que c'était rabattu comme ça. Ouais, c'était rabattu, c'était relevé. C'est-à-dire, direct, moi, j'allais l'enchaîner et tout. Et je regarde dans le rétro, je vois, il y a plein de monde qui voulait descendre. C'est-à-dire, ah, c'est moi, je suis en tort, je vais apporter tout. Ouais. Le mec, il se met devant moi et tout, il menace et tout ça. Ça, c'était quoi? C'était vers tard à la nuit, ça? Il était 1h du matin. Il était 1h20. 1h22 précisément. Tout ça parce que je me suis arrêté 2-3 mètres plus loin. Genre. En fait, c'est pas... En plus, le pire, ouais. C'est de. Comment j'ai avancé, ça l'arrangeait. Tu vois, parce que lui, il faisait le même trajet que le bus. C'est-à-dire, ça l'arrangeait. Donc. Ah, les gens, ils. Tu vois. Ça, il n'y a aucune reconnaissance. Alors, toi, tu n'aurais été pas là, ils auraient été dans la galère, tu vois. Non, je te dis, on n'est pas valorisé. On n'est pas valorisé. Et toi, si tu te défends, la boîte, ils ne te prennent pas en compte. Ils vont dire, ah, toi, t'es sorti de ta cabine, pourquoi t'as fait ici, pourquoi t'as fait ça, c'est des trucs, mon gars, c'est sur le papier. C'est comme quand j'avais fait une formation de 5 jours là. Ouais. C'était où déjà? C'était au CFAMU. Ouais. Moi, je disais, franchement, la dame, hein, je pense qu'elle me prenait pour un rebelle. Ah ouais? Je pense. En bas, moi, je lui ai dit, madame, moi, je suis à Saint-Denis, hein, y a des trucs que vous dites là, mais ça ne va jamais se passer comme ça. Ça, vous dites ça parce que vous êtes là derrière nous, vous êtes derrière votre bureau et tout. Bureau, là, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il me dit ouais, mais s'il y a un client qui monte, qui vous parle d'une telle manière, il faut toujours parler d'une telle manière. Je dis oui au début, comme ça. Mais si la personne elle ne comprend pas, je vais parler comme elle va comprendre, tu vois. Ouais. Alors, si la personne elle parle en wesh, je lui parle en vous, nanana, et tout, elle comprend pas. Bah, comme quand un anglais monte dans ton bus, tu parles anglais. Ouais, bah oui. Mais voilà, donc pour une personne qui parle en wesh, tu peux m'adapter en wesh. Ouais. C'est la même chose. Hein. Ah, c'est vrai ça. Après, voilà, pour rester professionnel. Ne fasse pas évident quoi. Ouais, voilà. Tu vois, la personne elle va monter. Si je la vois, je sais qu'elle aura du mal à me comprendre. Tu vois, il y a des parents, t'as vu. Tu vois, quand tu leur parles trop soutenu, ils comprennent pas, t'as vu. Quand tu leur parles trop soutenu.
Tu vois, tu leur fais des métaphores, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils ont dit. Non, mais non. Un jour, j'ai fait une métaphore à ma mère. C'était la pire erreur de ma vie. Ah ouais ? J'y dis plus jamais. J'y dis plus jamais de ma vie, je vais faire une métaphore à ma mère. Pourtant, c'était une métaphore. T'as vu ? En mode, je voulais. Genre, je fais une métaphore en mode, vous aimez trop crier. Ouais. Tu vois, j'ai fait une métaphore vraiment poussée. Tu vois, c'était même pas une métaphore, c'était une hyperbole. Ouais. Mais tu vois, c'était pour qu'elle comprenne. T'as vu, en mode, arrête de crier, tu cries pour rien. Ouais. Ah, ce jour-là, là, j'ai cru aller faire mes valises. Hein. Ah ouais? Ah ouais, le soir même, j'étais m'excuser, je dis non, désolé. Hein. Ce que t'as dit, t'as mal compris, c'était une métaphore du jour. Je dis, c'est pas dans ce sens-là et tout. Je dis, t'as pas compris. Surtout les parents là, les parents. Ah non, j'ai dit, wow. J'avais du mal. Hein. Ah non, j'ai dit, plus jamais je fais des. Plus jamais je fais cette erreur. Hein. Maintenant, je parle le français le plus simple. Genre, comme ça elle comprend bien. Ah oui, comme ça elle comprend ce que j'ai dit. Hein. Soit je parle français simple, soit je me tais. Je te jure. Chez quelqu'un, tu dis bonjour en premier, ça toi t'es pas autre. Parce que tu rentres chez la personne. Voilà, c'est toi que tu rentres, tu dis bonjour. C'est comme quand tu vas à la boulangerie, bonjour, si je peux avoir une baguette. C'est pas logique. Voilà, c'est totalement logique. Maintenant, ici, ils vont me dire là, c'est pas à moi de dire bonjour, salut, c'est lui, il est au travail. Ah, c'est-à-dire, demain, tu vas chez quelqu'un, par exemple, il est dans son lit, tu vois, il peut pas se lever et tout. C'est pas toi que tu vas venir pour dire bonjour. Bah si. C'est toi, tu viens, tu dis bonjour, genre, je te jure. Toi, tu viens chez quelqu'un, tu dis pas bonjour. Dehors. Comme quand t'es petit, ouais. Tes parents disent quoi? Va dire bonjour à ton conseil, va dire bonjour à ton conseil. Même si il cherche, va chercher dans sa chambre, va dire bonjour et tout. Ouais. Quand tu me donnes, tu fais quoi? Parce que les gens ils sont. J'ai l'impression qu'ils me voient comme des flics en fait. Après, je pense à. Ils disent, c'est des flics mais en. Déguisés quoi. Parce que je le sens, il y a cette barrière entre les clients et les conducteurs. Ça, des fois, faut faire des blagues. Comme ça, ouais, ça passe bien. Ouais, voilà. T'as là, ils arrivent pas, ils sont fermés. Il y a des collègues qui sont froids. Ça, c'est pas bien, c'est un danger d'entrer dans ce vice-là. De. D'entrer dans cette. Dans de faire des blagues, de rentrer dans un monde où t'es toujours énervé, ouais, tu parles pas aux gens. C'est pas bien ça. Parce que mine de rien, ça joue sur. Sur l'humeur. Toi tu deviens plus aigri même avec ta je sais pas, avec ta famille toi tu ouais t'as moins de patience. T'as moins de ouais voilà. Bon, moi je l'ai vu quand le mois dernier quand j'ai fait mon mois de quotidien là comme t'as vu là. Ouais. T'as vu que t'as changé. J'ai vu la différence. De toute façon j'ai des quoi les gars du noctil, c'est plus les mêmes personnes qu'avant. Ça les a détruits. T'as vu moi j'en ai fait. Tu vois j'en ai fait là le mois dernier quand je suis arrivé à mon dernier jour là, ouais. J'étais heureux. J'ai cru que j'avais gagné des taux. Sérieusement. T'as vu c'est bien. Tu vois c'est bien. Ça te change et tout. Quand on a trop. Comme disait le collègue de Pavu, il disait si t'en as trop, c'est ça. Quand on a trop. De temps en temps c'est bien. Ouais. Pas tout le temps. T'imagines les mecs sont en roulement dessus. Ouais. Bah ils ont pris l'habitude. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est dans leur train de vie et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu es gentil, hein. Moi, c'est gentil. Bonjour. Je te dis, bon, elle vient de l'école, il faut, voilà. T'as moi. Et moi, je te pointe. Ça, les supérieurs, ils vont pas être contents de ce que je veux dire. Ah ouais? Moi, je te pointe n'importe où. Moi j'ai connu la galère. Moi ouais, tu te prends n'importe où. Tu sais, du moment que tu es sur le trottoir, je peux te prendre en sécurité, je te le prends. Ouais. Parce que moi j'ai connu l'époque où mon frère on allait à 3-4 y faire les courses. Mon gars, tu rates le bus, tu dois attendre 15 minutes. Et tout, ouais, c'est relou. C'est-à-dire, moi je connais les. Ouais. Tu vois, quand j'avais des collègues qui s'arrêtent pas. C'est vrai que t'as. Ouais, on a tous du cœur. C'est vrai que. Tu sais, dame qui m'a dit quoi la dernière fois, elle m'a dit. J'ai l'impression que vous, les nouveaux là, vous êtes plus gentils que les anciens. Les anciens, voilà. Ils ont mangé toutes les salades pas loin. Mais
pied. C'est pour ça que d'ailleurs, il commence à prendre la pied des gens. Parce que du coup, vu qu'on est plus gentil, donc du coup, dès qu'il y a un truc. Ouais, enfin, il y en a qui ont dit, ouais, des fois, vous êtes vraiment gentil. Il y en a des fois, ils sont vraiment méchants. Alors que des fois, ça n'est plus train de m'ouvrir. Je suis vraiment là et tout. Même au feu, moi je te tronche, même si je sais, j'ai pas le droit. Ouais. Ouais. Un jour, je me rappelle, une dame elle courait, l'arrêt était loin. Ah ouais? Tu t'es arrêté? Je me suis arrêté, je l'ai pris. Même les gens dans le bus, ils m'applaudissaient. Il est gentil, monsieur. Mais tu vois, c'est comme ça. Regarde, t'es gentil parce que tu fais ça, mais dès que tu vas faire un petit truc, tu ne vas pas aller vers eux. Ah, t'es méchant. Ah, là, t'es méchant, t'es le pire. Ouais, il y a des collègues qui font ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y en a qui le font, vous ne le faites pas. Tu vois? Si le collègue fait ça, va le chercher. Mais va pas. Il va le faire pour toi. Moi, je t'ai dit. Pour ça, t'en as, ils disent maintenant, moi, je veux plus parce que vu que je suis méchant. Après, moi je me dis qu'il faut pas mettre dans le sac. Tu vois, en fait, t'as vu, voilà. Après, ça dépend, il y a des jours, tu vas arranger parce que. Tu les connais? Ouais, je connais. Il y a des jours, tu vas arranger et tout. Ça, ouais. Tu sais comment je le connais? Je venais de rentrer dans la boîte et tout. Ouais. En fait, je le relevais de 39. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est un blagueur, il m'a fait une blague et tout. Tu sais, ouais. Il y a une déviation sur la ligne. Il n'y avait pas de déviation, il m'a inventé une déviation et tout. Moi j'étais tout nouveau, c'est-à-dire que j'arrête et tout. Ouais. Je fasse comment, nanana et tout. Elle était mort des rires. Et puis c'est resté. Ouais, t'es détesté en fait. Ouais, et puis c'est resté. D'ailleurs depuis, quand je le vois, ça rigole et tout. Ouais. Mais ouais, du coup je disais, ça dépend des gens. Hein. Ça dépend des gens, il y a des gens, ils vont être sympas. Ouais. Ils vont être sympas, ils vont être compréhensifs, d'autres non. Ouais. J'avais une déviation 361. Je m'arrête à l'arrêt avant de commencer la déviation. Je dis à tout le monde, ouais, prochain arrêt sera tel arrêt et tout. Voilà. Les gens, ils me regardent. Ouais, ils ont ce petit sourire en coin en mode fais ton boulot, tu vois. Ouais. Je me dis non, peut-être ils ont pas compris. Je leur laisse le bénéfice du doute. J'y répète, oui, mesdames et messieurs, une déviation. Prochain arrêt, c'est tel arrêt. Les gens, ils ont le sourire en coin. Ah non. Ça, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Moi, je suis grave rancunier. Je me dis, vas-y. Je ferme les portes. Je commence à avancer. Il fallait tourner à droite. Mais ouais. La rue, elle est barrée. Elle est barrée. Je dois faire des en fait, pour eux, ils ne croyaient pas, en fait. Tu vois, comme la traîne sur TikTok, là. Ouais. C'est un singe, t'as vu. Ouais. Je dis, vas-y. Mais moi, je suis rancunier de ouf. Et tu vois, j'ai fait. Je sais pas si tu connais un peu. Argenteuil, tout ça, épiné de ça. Ouais, vite fait. En gros, j'ai dit, toi, la déviation était de Argenteuil, la gare d'Argenteuil jusqu'à la gare d'Épinay-sur-Seine à peu près. Ça va être long alors. C'est long, là. Tu vois, la déviation, elle est grande. Parce qu'elle termine la gare d'Argenteuil à 3-600. Ça veut dire que normalement, je dois tourner dans une petite rue avant. Ouais. Mais en fait, vu qu'il y a un truc de contrôle technique, t'as vu, de bus, t'as vu. Ouais. C'est-à-dire, si tu te retrouves avec un bus dans la rue, là. De ce que j'ai entendu, c'est chaud. Moi, ah ouais, j'ai dit, je préfère pas m'aventurer. Je vais jusqu'au bout. Là. Les gens, ils commencent à crier. Oh, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi descendre. Je dis, non, quand j'ai parlé, vous rigoliez, non? On va rigoler ensemble jusqu'à tout là-bas. On va rigoler ensemble jusqu'à la gare d'Argenteuil. Non, du coup, c'était dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. C'est-à-dire, les gens, ils sortaient de la gare pour et tout. Il y a un monsieur, il voulait descendre à l'arrêt juste dans la rue. Je dis, mais quand j'ai parlé? Pourquoi vous n'êtes pas venu, vous avez posé des questions là, regardez, vous êtes venu calmement, vous m'avez demandé et tout. Ouais. Quand j'ai parlé, il fallait venir, vous allez rigoler. Qui les a amenés jusqu'à. C'était tout ça, c'était pas chien. Ouais, monsieur, vous êtes pas gentil, vous êtes méchant, vous êtes pas un bon vous. Nanana. Alors que première course, ça s'est super bien passé. Ouais. J'avais même pas annoncé la déviation, en plus c'est ça le pire. Il y a une dame toute gentille. Monsieur, vous faites pas? Non, il y a des travaux. Ah, est-ce que vous faites les arrêts en parallèle? La plupart, ils connaissent quand même. Voilà. Est-ce que vous faites les arrêts en parallèle et tout? J'ai dit, oh madame, il n'y a pas de souci pour vous, je fais les arrêts. Je fais tous les arrêts. L'arrêt. C'est de l'angle. Hein. Ah, c'est ça en fait. Tu vois, c'est un collègue qui me fait ça. Lui là? Ouais. Et lui, ça, c'est... Est-ce que ça, c'est un collègue? Ça, c'est les pires aussi. Hein. Tu vois, les collègues qui connaissent le taf, ouais, ils te mettent dans des galères. T'en as plein comme ça. Ah, bien sûr.
Genre, en plus, le pire, c'est que c'est en mode, c'est un collègue de ton dépôt. Ouais. Il sait que ton bus il passe ici, il va se mettre en double file en galère de fou. Pour te faire chier. Ouais. Ouais. Alors que c'est même lui, c'est le premier à dire ouais, pourquoi il se met en double file. Ça m'arrive. Il a aussi des potes là. Mais là, je les pire. Il aurait dû même. Des fois, moi, tu sais, je leur fais des coups de con, hein. Genre. Mais moi, il y a un policier et tout. Tu vois, les petites camionnettes, il recule, il fait tomber mon rétro. Ouais. Je me klaxonne et tout, je vais mon rétro et tout. Il me dit, c'est moi, je l'ai fait tomber. Non, je roule comme ça. Genre. C'est de mauvaise foi, les gens. Eux, là, c'est les pires. Camionnette, là. Franchement, elle aurait pu faire un effort d'avancer, tu vois. Elle est dedans en plus. Hein. Elle est dedans, elle te voit. Elle fait genre en plus elle regarde là-bas. Quand tu la regardes, elle regarde là-bas là. Parce qu'elle sait qu'elle dérange. Et c'est comme c'est la police. J'ai pas dit, il y a une déviation. Mais non. Ouais, elle commence ici la déviation. Tu nous as bien eu là. Tu m'as fait exprès. En fait, c'est une petite déviation. C'est vraiment. Même toi qui connais pas la ligne. T'as fait exprès parce que quand je suis monté d'alors, tu m'as pas dit dès le début. Non, même pas, mais je crois que ça va même être définitif, je pense. Ah, ça c'est. Donc là, c'est... normalement, tu devais continuer là. Non, moi je dois revenir ici, t'as eu. Et là, ici, je tourne à gauche. Et je reprends dans la barrière à droite. Et tout, là voilà. Mais je crois que ça va être définitif. Je peux pas, parce que regarde comment c'est serré ici. Non, c'est tuto. Ça passe et tout. Ouais, ça passe. Quand tu vois comme ça, on dirait que c'est serré. Hein. Ouais. C'est-à-dire là, du coup, là, tu fais juste le tour. Ah, c'est-à-dire avant, tu donc la barrière s'ouvrait tout ça. Ah, ils ont mis une barrière électrique. C'était plus à gauche ou à droite là? Non, la première à. Ah, à gauche bien serrée. Ouais, ouais. Ah ouais, parce qu'il y avait deux rues avec une barrière donc je pense. Non, c'est la première à gauche bien serrée. Ouais. Ouais, du coup, ouais, tu tournes là et. En fait, c'est en parallèle. Ouais, tu rattrapes de côté. Genre, tu paies rien, tu gagnes. C'est pour desservir les. Parce qu'ici, c'est. Comment on appelle ça ici? Les magasins généraux. Voilà, c'est ça. C'est là qu'ils font leur. Les grossistes. Tout ça. Grossistes, voilà, tout ça. Ouais, ça veut dire, ouais, la déviation, tu perds rien, tu gagnes rien. Ah ouais. Souvent, les déviations, ça te fait gagner des fois. En gros, tu gagnes rien, tu perds rien. Ici, il faut connaître, ici, c'est un labyrinthe, ici, hein, tu vois aussi. Non, je n'aime pas. En vrai, la déviation, là, tu. Même toi, tu. T'es nouveau, tu l'as fait. Ça passe. En fait, c'est logique. Tu vois, tu continues tout droit, tu arrives au rond-point, à gauche tu peux aller nulle part de toute façon. Tu reviens sur l'itinéraire normal. Alors là j'ai raté un arrêt. Raté un arrêt là? Un seul c'est tout. Ouais. T'as eu une personne qui regarde la vidéo là qui veut apprendre. Ouais. Toi tu lui dis ouais, t'as eu là. De toute façon je l'ai dit, tu tournes à gauche. Et arrêt quand tu tournes à gauche, tu arrives là. Et tu retournes à droite. Il est arrivé ici en fait. Voilà. T'as dit qu'il va être définitif. Moi je pense que ça va être définitif. Hein. Parce que au début, c'est quand tu faisais des travaux là, de la rue là. Mais en fait, c'est quoi Depuis, ils ont laissé les trucs et tout. Je pense que ça va être définitif. Hein. Ça va, la ligne dans l'ensemble, elle est sympathique. Hein. Et moi, j'aime pas. T'aimes pas? Parce qu'en fait, toi, c'est parce que c'est trop court. Et ça tourne beaucoup, dans d'autres, c'est un truc genre. Moi j'aime bien ça quand ça tourne. Ah ouais? Mais c'est court, t'as beaucoup de tours. Ah, c'est le long, toi tu veux un 3 tours max. Magasin généraux. Minimum. C'est ça. Soit en fait il faut du 2, 2, 6, 8, ouais. Il faut du 3, 6, 1. Vous savez, moi les gens, les échos, quand je dis je kiffe 3, 6, 1, ils me prêtent pour un fou. Non, c'est une mine, apparemment, les gens ils l'aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas, les gens ils ont peur du tunnel. Oui, il y a un fameux tunnel, c'est celui-là, j'aimerais bien le voir là, d'ailleurs, ce fameux tunnel. Quand tu veux, j'en fais pas dans le mot en plus. Bon. L'autre il a réservé, l'autre il a dit c'est moi qui fais 3. Il m'a eu. Garé? Ouais, il est garé. Ah ouais, t'as bien eu. Hein. Ah ouais, non. Mais là tu peux pas. Si tu peux pas faire comme ça ou ça tombe des pots, il va te tuer. Ah ouais, il va te toucher. Ah ouais. Il y avait des trucs à côté là. Ah il m'a. Oui, même pas il a mis ses warnings. Ouais, en plus ça c'est pas une place ça. Non, c'est pas une place. Comme par exemple, on peut lui mettre d'amende, on va rien lui mettre. Hein. Ah, voilà. Du coup il a réservé 361. Il a dit ah c'est bon mec, il a dit j'ai changé rien que pour toi. Ah c'est dommage.
Paris. Hein. Il y a 361, il y a... Vous n'avez pas fait 337? Non. 337, c'est autant. Enfin, ça, c'est un délire. C'est un petit bus, là. Ah, mais c'est celle qui joue avec la 256. Voilà. Ah, oh, pourtant, il m'avait proposé, des fois, il l'a fait. Après, je me disais, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, non. C'est nul, c'est... non? T'as la ligne, mais en soi, oui. Mais le bus, là, c'est un calvaire. Ça saute de partout, tout ça. Oh, non, 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 un calvaire. Ah, tu vois, j'en ai. Tu sais, moi, je fais de l'assurage et tout. Là, j'avais ma semaine d'assurage la semaine dernière. On a fait combo gagnant, une semaine, je suis tombé deux fois dessus. J'aurais dû aller jouer au loto carrément. En plus, quand j'arrive voir le mec de la feuille, ouais, mon assurage, ouais, tu fais le 91ème, 2, 5, 6, j'ai dit c'est bon, arrête-toi là. Je suis parti, je savais déjà, c'était court. Ah, c'est quoi là qui a gris là? Il est gris. Hein. Hein. Ah, là, ils sont craques du métier. Ah, regarde la dame mal court là. Pour... Oh là là là. Ça c'est pour toi ou c'est pour lui? Non, c'est pour je lui. Pas, je crois qu'on dirait qu'elle n'a pas de gaieté, elle c'est pour toi. Hein. En fait c'est un des deux, tu sais pas attraper un des deux, c'est bon. Mais on dirait qu'elle te regarde. Non, c'est pour le gars. On dirait qu'elle te regarde. Parce qu'elle va aller prendre le T3. Et lui comme il est aigri, je pense pas qu'il va l'attendre. Ouais. Si on tourne, toi tu tournes à gauche là? À droite. On va voir si elle est toujours là. Oui, tu sais, elle va le prendre. Tu vas voir, elle va descendre là-bas à porte d'hôtel. Si elle le rate, c'est toi qui va prendre, je pense. Elle l'a pas vu, il l'a pas attendu. Mais oui, en plus elle était juste à côté. C'est des gamins. Hein. Ils voient les gens courir mais ils s'arrêtent pas, tu vois. Après je comprends après les gens qui sont. Bah, c'est toi qui vas prendre du coup. Ouais, oui. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire madame, il est méchant. Hein. Oui. Et mais ça marche. Moi je crois j'avoue, il est. En plus regarde, il a le feu. Ouais, oui. Et tu sais, mais une autre histoire comme ça aussi carrément. Je commence 2.39, je sors du dépôt, je vais à Rosa Park. Première course. Il y a une dame, elle m'attrape à Rosa Park, elle m'insulte et tout. Là, ouais, elle est fâchée. Ouais, elle est soufflée, en elle est soufflée. Le ski. Mauvais. Ça lui coûtait rien. Ça lui coûtait rien. Bonjour, vous avez fait votre sport de la journée? Il est méchant le chauffeur. Il est méchant, mais ouais, c'est pas grave. Ça arrive au bout le gel. Merci. De rien. Ça va l'appeler avec le... Et genre, ça m'arrive et tout, je sors du dépôt, la dame et tout. Elle m'agresse, ouais, votre collègue il m'a dit, le 60 qui passait pas, regardez, il est derrière vous et tout, elle m'agresse. Moi je venais de commencer, je comprends, hein. Je dis madame, mais j'ai même pas eu le temps d'en passer une, elle est partie. Ouais. Je suis comme ça, gratuit et tout. Et genre, il y avait une collègue là, à ma droite et tout, elle était en ALM, ou, je crois qu'elle venait tourner avec moi, normal et tout. Ouais. Et genre, il y a une dame qui sort au fond du bus, elle lui dit, ouais, vous êtes mariée? Regardez-moi, est-ce qu'on est marié? On dit non, on est collègue et tout, rien à voir, ça me fait en tenue et tout. Je suis chelou, comme ça. Et commence à l'insulter, gratuit, ouais. Parce que vous, les dames claires, vous aimez trop voler les hommes noirs. J'étais là, je dis, mais wesh. Et là, c'est passé. Vous aimez trop voler les hommes noirs? Ouais. Vous aimez trop voler les hommes noirs? C'est quoi, les hommes noirs. Parce qu'elle était. Là, c'était une Renoir. Et genre, je dis, ouais, c'est nous les Romains, ça a nous et tout. Et c'est une dame claire. Non, du coup, la collègue, c'était une dame claire. Et c'est l'autre, c'est une Renoir. Ouais, c'était une Renoir. Et elle disait, donc elle a dit à la dame claire, ouais, vous avez trop volé nous les nos Romains hommes. Et tout. Ouais, parce que les Romains, ils veulent plus aller avec les Romains. Restez entre vous et tout, on veut pas être fort. Je tiens. Toi, avec t'arrivé le dingue, je suis mort de ça. Ça veut dire, avec la collègue et tout, ce regard, on dit rien. Quand elle a descendu, j'étais mort de rire. Mais la collègue elle a rigolé ou quoi? Mais bien sûr, elle était morte parce que. Ça va, elle se dit, mais c'est un dinguerie. Genre comme ça, gratuit. Gratuitement et tout. C'est chaud, hein? Vraiment, gratuit. La collègue elle a rien demandé, elle s'est insultée comme ça. Ils veulent se défouler en fait. Et comme je t'ai dit, comme ils savent que t'es en tenue, ils vont. Ouais, voilà. Parce qu'ils en profitent, parce qu'en civil, ils vont jamais te dire ça. Oui. C'est comme la semaine dernière, ils nous arrivent encore la même chose. Ouais. Genre elle passe devant moi et tout, j'étais au terminus. C'est-à-dire, je vais la voir dans son bus et tout. Et genre, elle parlait, parce que c'est une arabe. Et genre, elle parle avec un. Tu vois, les darons rebeux, dès qu'ils voient une rebeu, ils aiment bien parler avec elle et tout. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ils parlent avec elle et tout. Et genre, moi, je dis bonjour, tout ça. Après, elle dit, en mode, ouais, comment, tu vois? Ouais. Arrête, elle, pour rigoler, elle dit, c'est mon mari. Ouais. Elle dit, ouais, t'es sérieux et tout, tu sors avec un carlouche, nanana.
C'est grave ça. J'ai dit ah ouais. Après elle lui a dit mais alors c'est un carouche et tout. Après il y a des racines pour un petit chien. Ah eux là, eux c'est qui tout double. C'est qui toi, c'est ça. Surtout les anciens. Tu vois, faut pas tous les mettre dans la même famille. T'en as beaucoup, ouais. Les anciens, ouais, ils sont vraiment. Tu vois, c'est leur mentalité. C'est leur mentalité. Faut pas que tu te mélanges. Ah, voilà. Ça, c'est vrai, ouais, c'est. Ouais. C'est une dinguerie. Hein. Alors que normalement, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. On va tous mourir. Ouais, c'est ça. Dans les mêmes conditions. Ouais. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais on va tous, en tout cas, tu dis, on va tous être dans un trou. On va tous être dans un trou. Il y aura des gens qui vont pleurer au semi pareil. Il y aura des hypocrites, des gens vrais, c'est partout pareil. Hein. Sauf quoi. Ouais, donc c'est bien animé ça, mais en fait au niveau. Je rigole bien. Tu vois, dans les. À Paname, t'as pas trop ce genre de trucs, tu vois. C'est genre sérieux, c'est carré. Trop sérieux. Okay, ouais, voilà, c'est trop sérieux, carré, tu vois. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça qui fait aussi le charme du métier, ou c'est un petit peu. C'est une petite histoire comme ça. Oui. Des fois tu vois la ligne, mais... ouais. Tu sais, il va se passer une dinguerie, tu vas rigoler. Porte d'aubergine. Je fais de la décision. Les soirs en heure de pointe, les gens ils se bagarrent. T'as vu, nous c'est trop calme nous, quand on l'a fait. Nous. Tu vois, et ils sont là, ils purgent ta porte pour rentrer. Ouais. C'est le même gars qui voulait pas attendre la table là, c'est lui. Hein. C'est... Mais il arrive même pas à fermer la en porte. En plus, il est lent de ouf. Tu vois, ouais. Tu vois, il a rien gagné. Toi. C'est l'aubervillé en plus. Hein. Il a rien gagné. Ouais. Parce qu'au final, je l'ai rattrapé alors que je suis au feu rouge. Et si le collègue veut passer, mais il ne sait même pas s'imposer. Sa deuxième, elle m'a tué. Ouais, du coup, toi, tu veux aller à Nanterre. C'est possible. Ouais, ça, c'est le souhait. Hein. Mais ça te dérangerait pas de faire un endroit où tu as grandi? Merci même beau gosse. Beau gosse. Ouais. Hey. L'invité de notre soleil direct. Putain, c'est toi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Arrête. Pas moi. Non, je suis jaloux là. Direct. Beau gosse et tout. Non, c'est ce qui compte. C'est toi la star. Regarde, t'es filmé et tout. Putain, on l'appelle beau gosse. Non, c'est. Voilà, bientôt là, je sais pas si t'es beau gosse. C'est le gérant. Hein? C'est le gérant, le beau gosse. Pourquoi? Non, c'est pas gérant. Moi, je suis un acteur, tu vois. Je suis une marionnette. C'est toi au-dessus, direct. Non, je te disais, ouais, non, moi, ça, parce que moi, c'est depuis tout petit, donc je crois que les gens, ils ont oublié, je pense. Hein. Ouais, mais non. Et en plus, le secteur qu'ils font, là, c'est pas vraiment exactement les mêmes places, c'est pas que vers là où j'habitais. Hein. Ah, ok. Ça va, parce que là, là-bas, c'est plus Nanterre et Malmaison. C'est des beaux endroits, hein. C'est là, j'aime bien, là-bas. Parce que je voudrais bien avoir une baraque là-bas, je pense. Ouais, mais c'est cher, là-bas. C'est cher. 92 c'est cher. Parce que j'ai fait un. Comment on appelle ça, là, remplacement RRA là-bas là. Ouais. À Chatou. Ah oui, Chatou. Ouais, j'ai fait Reuil-Chatou. Ah, t'as fait un remplacement là-bas? Ouais. Ah, tu devais bien, ça c'est bien. Non? C'est la belle vie. Hein. Ah, c'est la belle vie? Ah, vraiment. Ah ouais. J'avais fait un 6h-13h, j'ai fait une heure en avance. 6h. Qu'est-ce que c'était la belle vie? Hein. En plus, t'as du droit, le repli devait être magnifique. Ouais, il est à 86, tout le droit. Ouais. Franchement, la belle vie. Hein. Moi j'aime bien là-bas, kiffé, hein. C'est calme, c'est tranquille, c'est... Non, Nanterre c'est un des trucs que j'aimerais vraiment bien faire. C'est le seul, après le reste m'intéresse pas les autres. Ah ouais? Bah après les autres, je sais pas. Il y en a pas d'autres... Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant? Bah, en fait, t'as fait... Après si, en fait... dans le sud peut-être, vers Malakoff, tout c'est tout. En fait t'as fait les deux meilleurs en fait. Enfin non, t'as fait les deux meilleurs, t'as fait le meilleur pour moi. Hein. Ouais. Je pense que la nuit ça fait partie des tops. Hein. Top. Ouais. Sur moi dans mon classeur, on va dire, il y a. Genre si je devais partir de Saint-Denis, il y a Défense. Ouais. Il y a la Défense et il y a la nuit là. Ouais. En fait c'est le collègue là, il m'a trop branché. Hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ouais, j'ai guetté ses vidéos et tout, là, ça m'a trop branché. T'as guetté quelle vidéo? Hein? Moi, j'ai tous vu, hein. Tout le sel de l'image, c'est tous vu. Ah ouais? Ouais, tout. Moi, j'en avais tout fait en vrai. Du 102 au 124 ou. Ouais. Au 245. Au 122. Le remplacement RRA, j'ai tous vu.
dans ces limites là-bas, tu me mets. Ah, je suis pas perdu. Hein. Ouais, tu connais. Ah ouais. Bah, après, il y a des limites qui ont dû changer parce qu'entre temps, je crois que 3. Attends, c'est laquelle celle qui est à Valfontaine là. 202 ? Non, celle qui est jaune là. Jaune ? Ah, j'ai oublié. Pas 318, c'est la jaune. Jaune. Je l'ai fait en plus, il y a pas longtemps, comment j'ai pas oublié ça. Qui est Valfontaine. Oui, je t'ai Bon les gars, sur ce, à plus hein.